Thank you.
Est-ce que ça va ici? Mon pays vous salue, le Mali. Ce soir, nous sommes là pour les women leaders. Je crois que c'est en anglais, hein? C'est difficile, vous savez, en anglais. Pour les femmes leaders, il n'y a pas de vie sans femmes. On a toujours dit à nos frères, écoutons les femmes dans la vie, sans la femme, il n'y a pas de vie. Ce soir, nos sœurs, les femmes ont montré qu'elles peuvent faire bouger certaines choses au niveau de la santé, comme dans plein de choses, elles le font. Merci beaucoup à ces braves femmes rwandaises. Et mondial, c'est pas que les femmes rwandaises sont. Thank you.
Thank you.
Le président du Rwanda qui est toujours là
auprès de lui quand c'est chaud. Dans les moments difficiles, on dit qu'on connaît les vrais amis. Ou Allah est un vrai ami du Mali. Écoutons ensemble. Mali Mali. Thank you.
Je vous vois, vous savez danser. T'es gare. Alors applaudissez plus que vous. Les noirs, vous refusez de danser. Les diabés, vous ne savez pas. T'es gare. T'es gare. Souba. 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 Sou
C'est ça la beauté de l'Afrique. Bravo. Et la chanson qui vient s'appelle Kamelema. La chanson s'appelle Kamelema. Do you know Kamelema? Kamelema means playboy. Or en français, des gentlemen qui savent séduire et puis tout de suite trahir. Alors d'abord, on va chanter Kamelema. Kamelema, c'est pour. C'est des jeunes playboys, beaux, riches peut-être, mais qui sont toujours prêts à trahir. Nous, les pauvres femmes, quand on aime, on se donne. Quand on aime, on croit à tout. Alors, les Kamelema, ils sont là, prêts toujours à nous trahir. Je ne sais pas, vous traduire ça en anglais, if somebody can. Traduis ça. Qui peut traduire ça en anglais correct? Pour ceux qui ne comprennent rien en français. Où ça va? On y va? Ok, come on. You ready to. Tu es prêt pour traduire? Ok, parce que. Ok, on y va. Come on. Thank you.
avant Franck de Kili du Médaoui, Yere Faganyani, Yere Faganyani, Yere Faga veut dire mettre fin à ta vie devant un problème. Mon Dieu, je voulais vous dire ça en anglais, mais mon Dieu, Moro c'est où? De le dire en français. Ok, voilà. Ben, you know, vous savez, il a refusé tout de suite de traduire Kamelemba. Ça veut dire qu'il fait partie de ce Kamelemba alors. Bonsoir mon frère, ça va bien? Et pourquoi toi tu as refusé de traduire Kamelemba? Why? Ok, donc c'est le Faga. Yeah, le Faga, it means that sometimes you face some problems and then you just want to try to put hand to your life. So now she said that not do that, just face the problem. Life is like high and down. Yeah, and to be strong than the problem. Yeah. Problem doesn't hurt. Like after we are in the like we are living, we always face problems. She said that she's stronger than the problem. And she said that every one of you must be stronger than the problems. Yeah. Why you refuse to translate Kamelemba? Okay. Vous avez bien compris? La vie même est basée sur le problème. Ça finit jamais. Le jour où ton problème finira, c'est vraiment la fin de ta journée, de ta vie. Donc, soyons plus forts que les problèmes. Yere Faga Nyani.
Thank you.
Thank you.
vous. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'était bien? C'était très bien? Juste le temps de vous dire merci d'être venu. C'est la fin. Il y en a beaucoup déjà qui partent. Si vous étiez content, c'était le but. Mais j'aimerais vous dire que les activités continuent jusqu'au 13. Et vous aurez une séance de danse avec un grand chorégraphe qui s'appelle Wesley Rusibiza. Il va vous montrer ce qu'il y a comme lien intéressant, important, entre la danse et la santé mentale ou physique. Merci d'être venu. Dormez bien et très bonne semaine. Bye. Ma cousin Chanel.